Scandale au sein du RHDP. Après le départ tragique d'Henri Konabedzi pour le Ghana, Alassane Ouattara exige la démission immédiate de Patrick Hachi. Voici les raisons probables. Pour plus d'informations, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les grandes décisions viennent de tomber au sein du RHDP. Autrement dit, les têtes sont tombées au sein du RHDP pour la reconstruction du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, voulu par le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara, selon une source très proche d'Abidjan. Et selon Jeune Afrique, Alassane Ouattara exigera-t-il la démission de Patrick Hachi? Dans une publication parue en ce mercredi 8 décembre en Côte d'Ivoire, selon Jeune Afrique dévoile les décisions arrêtées par le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara, après la suspension en septembre dernier du directeur exécutif du parti politique, alors dirigé par Adama Bitogo, le confrère. Le confrère confie ceci: selon nos informations proches de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, son excellence M. Alassane Ouattara, a acté à la disparition tragique du directeur exécutif Adama Bitogo au sein du RHDP, jusque-là dirigé par Adama Bitogo. Adama Bitogo a signé sa démission au sein du RHDP. Maintenant, ce fut le tour de Patrick Hachi. Que se passe-t-il en réalité entre Alassane Ouattara et ses poulains? Le nouveau directeur du parti politique sera, à en croire les révélations de Jeune Afrique, dirigé par Gilbert Kone Kafana, maire de l'Yopougon et initiateur de l'Union du Grand Nord, en abrégé UGN, qui succédera ainsi au premier ministre de FEM, Amadou Gon Coulibaly. C'est ainsi que le président Alassane Ouattara exige la démission de Patrick Hachi et opte celui de Gilbert Kafana. Un comité de direction composé d'une quinzaine de membres, dont plusieurs autres personnalités du régime, parmi lesquels Henriette Dadri Diabaté, Patrick Hachi, Kandia Camara ou encore Siseba Kongo, sera mis en place sous les ordres du RHDP et sans oublier celui des Ivoiriens. Selon le confrère Jeune Afrique, Patrick Hachi aurait signé sa démission au sein du RHDP. Le nouvel organigramme dévoilé par Jeune Afrique en ce jour laisse entrevoir une rétrogradation du député d'Arbouville, Adama Bitogo, dont le sort aurait été scellé, selon le journal Jeune Afrique, en septembre dernier, après qu'il ait convoqué une réunion avec plusieurs ministres membres du parti politique, sans que Alassane Ouattara ni Patrick Hachi n'en soient informés. C'est ainsi qu'après le départ tragique du président du PDC-RDA, M. Henri Konabedzi de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara profite de l'occasion en ce matin et licencie très sévèrement Patrick Hachi, sans oublier Adama Bitogo. Rappelons que Patrick Hachi avait démissionné au sein du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, qui n'est autre que le PDC-RDA de M. Henri Konabedzi, pour rejoindre le RHDP du président Alassane Ouattara.